Attention, c'est du fer dur, donc ça fait quand même mal aux doigts si on dérape. Et quand on laisse tomber. Désolée. Hey, hey. On est des pirates ou quoi? Salut les amis. Salut les amis. On a un nouveau policier. Oui, vous voulez voir? Tiens. Allez, viens le policier. Viens le chemin. Regardez. Policier. Mon policier. C'est bien. Bon. Oui, c'est bon. Donc aujourd'hui, on vous fait une vidéo parce que on a acheté trois petits trucs de nouveau sur Wish. Ce sera pas All Wish, mais c'est sur Wish. Ce sont des objets anti-stress. T'es stressée? T'es stressée? Oui! Voilà, donc elle va le tester pour vous. Donc là. Voilà, le chien pense que c'est à manger. Donc voilà, je vous sors la boîte, blablabla. Nous avons donc acheté ceci. Bouge-toi deux minutes. Bouge-toi deux minutes pour que ça zoome sur le. Allô? Ouais, voilà. Fidget Cube. C'est le Fidget Cube. Le Fidget Cube a été créé par une ou deux personnes, je pense. Pour les gens qui sont stressés, vous savez, les gens qui prennent leur vie, qui font clic, 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 clic. Les gens qui jouent avec leur collier, qui jouent, bougent avec leur alliance. Que moi, je suis stressée à l'école, alors je fais toujours ça avec quand j'ai un collier. Ouais, bon, je sais donc. Donc, voici le Fidget Cube. Je pense que vous l'avez déjà vu. Donc, ça permet de se travailler les doigts. On peut voir un joystick, comme il l'appelle. Voilà, qui tourne, qui bouge gauche à droite. On peut voir les 5 petits boutons aussi. Normalement, il y en a 2 qui font du bruit et 3 pas. Mais ils font tous du bruit. Ensuite, il y a la petite boule argentée, comme ceci, qui peut rouler. Dans certains, ils peuvent cliquer. Et alors, il y a les petits crans. Et aussi la roulette. Vous pouvez tourner. Ah, et là, on dirait la lampe. L'interrupteur. Mais celui-là, il fait du bruit. Vous voyez? Ouais, faut essayer. Alors, c'est un anti-stress. Mais ça déstresse plus. Non, c'est un anti-stress pour les gens qui sont stressés. Moi, je pense que je ne suis pas stressée. Parce que quand j'utilise, il m'énerve. Désolée de le dire, mais ça m'énerve. J'ai envie d'arrêter. Donc, je suppose que je ne suis pas stressée alors. Hein. Voilà, essaye. Et en plus de ça, il a sa jolie petite pochette. Qui se vend à part, évidemment. Elle est toute mimi, vous voyez. Elle est toute belle. Voilà, elle est toute belle. Mais voilà. Bon, les. Ça stresse plus. Elle m'énerve déjà. Ça m'énerve. Voilà. Ensuite, on va commander le Hand Spinner. C'est. Ça. Il faut la tenir. Oh, c'est blanc. Et alors, il faut. Je vais tourner. Ouais, je fais ça. Ok. Mais non, mais c'est. Donc, on peut mettre ses doigts au-dessus, en dessous, et le faire tourner. Et faire ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on le tourne et qu'on tourne sa main, il tourne dans l'autre sens, dans le sens inverse. Donc, je suppose qu'on peut s'amuser en le faisant tourner. Voilà. Ou à faire ça. Toi, t'es folle, après tu vas le lâcher dans le carreau. Oui. Donc voilà. Il y a de toutes les couleurs aussi de celui-ci. Oui, celui-là je le trouve marrant parce que bon. Ça te stresse pas. C'est pas que ça me stresse pas, mais bon. L'autre, disons que je vais pas l'utiliser, tandis que celui-là je vais peut-être m'amuser, mais je vais pas faire plus de 2 minutes, 2 secondes. J'ai donc acheté la Powerball parce qu'il trouve plus la sienne. Ça se présente comme ceci. C'est en plastique. Je sais pas si vous pouvez voir. Et autour, il y a comme un plastique anti-grippe. On peut appeler ça comme ça. Et dedans, il y a une boule qui tourne. Voilà. On le prend logiquement dans sa main, comme ceci. On tire la ficelle. Et alors, il faut commencer
à tourner son poignet pour que la balle tourne et continue à tourner. Évidemment, j'ai lâché. Ah non, pas d'accord. Oh purée. Elle s'est arrêtée. Papa, Alex, faut aller faire ça. De là, je sais pas à quoi ça sert, je pense pas que c'est anti-stress, mais ça fait mal au bras. Tu veux essayer? Oui. Alors le but c'est de mettre la corde dans le petit trou qui est ici. Papa, attention parce que... petite corde. Au bout de la corde c'est dur, il y a un petit un peu grand, on le met dedans. Voilà, on le tourne. Style comme un yo-yo au départ. T'as un yo-yo comme ça avant? Non. Le yo-yo, tu tires aussi comme ça sur le fil? Non. Tu tiens dans ta main? Quelle main? Tu tiens dans ta main? Tu tires? Et tu bouges! Et ça a frappé! Et tu l'as dit au bout de longtemps! Gagné! Donc voilà, les trois petits cadeaux qu'on a fait, enfin cadeaux. On a commandé sur Wish, voilà, vous la voyez, voilà, et donc je crois qu'il va être content, on verra bien. Donc voilà pour la présentation de ces petits produits. Quoi dire de plus? Ah oui, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur la Fidget Cup, que j'ai dit qu'elle était, elle a été faite pour les gens qui sont stressés. Tous les youtubeurs en ont un. Les youtubeurs en ont pas, il y a beaucoup de vidéos oui. Déjà sur ce produit qui passe, donc dites nous en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez, les gens qui sont stressés et ceux qui ne sont pas stressés, deux points de vue. Voilà, alors je voudrais aussi vous remercier parce qu'on est à 6008 vues. Bravo, on voudrait encore plein de pouces bleus. Il y a aussi d'abonnés. Oui, tous ceux qui ne sont pas abonnés, venez vous abonner. Et amenez vos copains et vos copines. Ou toute la famille, tous les amis. Ou vos voisins. Bon, voilà. Donc, des pouces bleus. Abonnez-vous. Des commentaires. Merci. Moi, je vous mets en barre d'infos le lien de Wish et le nom des objets qu'on a présentés. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view.